Eh bien bonjour tout le monde, c'est Kokami68 et on se retrouve donc pour un nouveau commentaire en recherche et destruction record sur la carte Nuketown. Donc sur cette partie, j'ai utilisé donc une nouvelle classe, c'était avec Poids Plume, Marathon, Seigneur de Guerre. Donc pour Seigneur de Guerre, j'avais utilisé Tir Rapide et Silencieux, qui est d'ailleurs une très bonne classe sur la MPL. Certes, on fait beaucoup de bruit quand on marche, mais bon, c'est pas grave, avec Papy, le marathon, on court assez vite. Donc là, je fais le frag de fin, bien satisfait de moi, parce que le mec, il allait poser à Claymore, et ben, j'ai quand même eu le temps de le cutter. Donc, oui, bien satisfait de moi. Donc, je veux dire, j'ai fait un très bon score à la fin. Donc, que je vous dirai bien sûr à la fin, ce qui paraît logique. Et donc, non, mais content de moi, je dirais, je m'en suis bien sorti, quoi. Donc je trouve que la MP elle a une très bonne stabilité, que ce soit en visée obligée ou visée proche. Donc là je fais mon colis grâce à elle. Je vais vouloir aller tuer l'ennemi qui est juste en haut que vous voyez sur le radar, enfin si vous pourrez voir le radar. Donc on me l'a déjà tué avant, donc je redescends en bas parce que bon il y en a souvent qui restent en spawn, surtout sur cette carte. Et bah par chance il y en avait juste un, donc oui, bien content de moi quoi, je veux dire... J'ai fait deux fois le frag de fin, donc ça m'a permis de faire mon cobra. On va dire que j'ai galéré pour le demander alors, dans le suivant, parce que bon, c'est souvent comme ça, ils vous font chier, faut attendre 13 secondes pour demander votre cobra. Donc, allez, on continue à appuyer toutes les 2 secondes. Après, c'est même parti sur toutes les secondes, alors comme ça, 2, 1, et j'ai pu enfin demander mon cobra que je place normalement au milieu de la carte, si je ne me trompe pas. Bon, après, c'est pas le plus important, vous me direz. Donc ensuite, je vais vouloir chercher les ennemis qui restent et c'est la Claymore qui me finit. Hey, sans pirate, ben maintenant c'est plus, je vois plus les Claymores, mais bon, c'est pas le plus grave non plus. Donc ensuite, je vais demander mon colis stratégique que vous allez voir là tout de suite dans la manche suivante. Dès qu'elle décidera de commencer, ce serait pas mal. Voilà, merci. Donc, voilà. Je vais aussi donc toujours dire la même chose. Je recherche toujours ne serait-ce que des designers pour frag movie ou faire de bonnes intros. Je vais répéter comment que je le souhaite que l'Isner fasse. Moi je lui laisse prendre quelques vidéos de ma chaîne, il peut prendre celles qui l'intéressent, il peut en faire ce qu'il veut. Enfin à part, je lui donne pas non plus l'autorisation de mettre sur sa chaîne, à part s'il a vraiment beaucoup d'abonnés, s'il en a qu'un ou deux ou non. Il peut couper comme il veut pour prendre les morceaux qu'il veut dedans, c'est pas un souci. Qu'il fasse son montage avec et tout, qu'il me l'envoie ou qu'il l'upload sur sa chaîne, que je vais voir parce que je suis un abonné. Et donc, je veux dire, après, je vous dirai par la suite ce que j'en pense. Donc là, je suis de nouveau le dernier à être vivant. Le mec vient et je fais un plein de tête. De nouveau. Donc voilà pourquoi j'aime bien l'MPL. On court bien avec, on se déplace assez vite. Sur les petites cartes, c'est très pratique. C'est une vraie classe rush que j'ai faite. Pour la première fois, j'ai utilisé une classe rush en RDR Core. Donc, ouais, bien. Pas non mécontent, quoi. Donc, ensuite, le secret de Moon sera soit uploadé cette semaine, soit la semaine prochaine. Donc, je pense que ça va être fait assez rapidement. Je l'espère. Ensuite, je vais vous laisser un petit message en vous disant comme quoi, à partir du 3 octobre, je mettrai moins de vidéos sur Internet. Enfin, sur YouTube, parce que malheureusement... pas de chance, non, c'est pas la faute, t'as pas de chance. Il faut que je commence à chercher du travail. À partir du 3 octobre, parce que sinon, moi, bientôt plus de rentrée d'argent. Et donc, moi, bientôt, je pourrais plus mettre de vidéos sur internet, je pourrais plus être connecté et compagnie. Donc, je répète aussi que j'accepte tout le monde tant que j'ai de la place. Donc, je suis sur le Xbox Live, donc Gamertag et Kokami68200. Donc, si jamais vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, moi, j'accepte. J'accepte suivant mon humeur les 1vs1, ça dépend du jour, il y a des jours où on n'a pas envie d'en faire, il y a des jours où ça dérange pas, parce que bon, pour le moment, là j'aimerais bien terminer de monter mes prestiges, je suis prestige 11 ou 12, donc c'est avec la tête de dragon ou de harpie pour ceux qui veulent, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez en tout cas, c'est suivant mon humeur, donc moi j'accepte tout le monde, et après, pas de souci hein, pour les 1vs1, la plupart du temps, de toute façon j'accepte. Défis, quoi, je veux dire, donc là ici je me fais un petit duel, j'ai eu énormément de mal et bah le mec bon, il a quand même réussi à me tuer, donc je lui dis quand même bravo, parce qu'en fait j'avais commencé à faire des tirs de presse, bah,
J'ai pas touché, j'ai touché personne, donc lui aussi il avait sorti a priori sa classe rush. C'était un italien, donc oui, il n'y a pas de. Pas grave, hein, tant pis, hein, il sort la classe rush, il sort la classe rush, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, donc bon, comme je le disais, je compte donc sortir, envoyer cette vidéo à Code CF. Mon score final était de 11-4, donc un très bon score, j'étais bien content de moi. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne, la chaîne Gamer Génération, au revoir.